Soyez tous les bienvenus dans ce salon que Potache nous appelions le salon rose, mais que les évêques trouvaient était un peu impertinent, ont appelé le salon doré. En tout cas, dans les ordres de la République. Soyez les bienvenus pour cette première cérémonie des vœux à et de Monseigneur Ravel. Vous l'avez, pour la plupart d'entre vous, lu ou entendu cette année. Les vœux sont prononcés et à Strasbourg et à Mulhouse par le service des formations. On innove. Nous avons tenu jusqu'à présent à ce que la vie consacrée une année, les diacres permanents une autre année, les coopérateurs une autre année, les diacres permanents encore une autre année. On peut aussi innover, c'est-à-dire donc c'est le service des formations qui, après une année d'absence de leadership, reprend du service et la parole est donnée tout de suite du coup à son directeur, le père Frédéric Libaud, que tout le monde doit connaître, en tout cas devrait, mais je crois que c'est doit, et connaissent de toute façon. Et la semaine prochaine, vous n'y serez peut-être pas tous, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous quand même, seront à Mulhouse et ce sera Élodie Verdun qui prononcera les vœux. Et en réponse à ces vœux du diocèse par la voix donc aujourd'hui de Frédéric, Monseigneur répondra. Frédéric, c'est à toi.